Avec ma boîte de céréales dans les mains. On va finir la boîte, tiens. On va mâcher. Ça y est, je suis passé en positif. On va chill autour d'Airfield. Le serveur, il est full. Ça va être chaud. Regarde qu'il ne me fasse pas une petite galette. Par contre, il a soif. Il faudra retrouver de l'eau. Allez. On va rester quand même en forêt, un peu caché. J'espère qu'il y ait du monde quand même. Un peu de d'endurance, je suis à moins 25% là, c'est un peu énorme. Faudrait vraiment qu'on trouve une automatique, ça serait top. C'est la première fois qu'on vient dans le secteur. Est-ce que c'est un secteur qui est encore joué ou pas? On aura la surprise tout à l'heure, ça. Sur où il y a un air fil, il y a toujours du monde. Il y a une base. Alors, est-ce que c'est habité ou pas? Hey, Fanjoul, comment ça va, mon ami? Bah, écoute, moi, ça va. Deuxième petit live de la journée. J'espère pas être interrompu par la petite qui, depuis peu, fait des siennes. Elle se relève la nuit. Enfin, non, au début de la nuit. Donc, bon, si la maman m'appelle, bah. Pour lui donner un petit coup de main, je m'absenterai peut-être 2-3 minutes. Mais sinon, ça va bien. Est-ce que c'est une base active, ça? J'ai quand même l'impression que oui. Pas trop m'approcher parce que je suis pas équipé pour raid des bases. Ah, ça a été raid, je pense. Ou sinon, ils se sont amusés à faire que des tours de base en.
Non, je pense que ça va être raide. Je vais pas trop avancer, là je suis trop équipé pour m'approcher d'une base aussi près. Salut Reggie. Comment ça va? On va contourner un petit peu. Je vais, je pense, poser un peu de stuff sur moi dans un coffre. Là, j'ai un petit peu de stuff et on va faire un tour dans l'airfield. Voir si on peut trouver une petite automatique. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le stream de cet après-midi, qui d'ailleurs je viens de le mettre en ligne sur YouTube. Cette nuit, j'ai été raid par 4 mecs, donc ça a duré 4 heures à peu près. Ils ont fini par me tuer et entrer et tout prendre. Et donc, j'ai décidé de prendre ce qui me restait sur moi, en gros ce que j'ai là. Et maintenant, je suis en mode, je me balade sur la map entière, à droite à gauche, j'ai plus de base. Dès que j'ai une automatique et un snipe, je jette tout le reste pour être, pour ne pas être encombré. Et je vais de ville en ville pour aller à la chasse à l'homme. Et Reunion. Ouais. Bah, il n'y a pas le raid sur la rediff. Hier soir, en fait, je me suis fait raid hors live. Et je pensais avoir sauvegardé, enfin enregistré la game. Et en fait, j'ai enregistré que 3 ou 4 minutes. Où les mecs, ils étaient en train de shooter les murs à travers. Et puis j'étais en train de réparer. Et... il y avait une espèce de tension quand même. Tu le sens quand même. C'est... Quand tu te fais raid, c'est... Quand tu te fais raid et t'es connecté, c'est pas pareil, quoi. Je vais m'écarter des plaines. Je vais me planquer en forêt pour faire le coffre. Non, franchement, je suis pas plus déçu que ça. Voilà, ça permet de changer de style de gameplay, de pas être enfermé dans un secteur. Et puis quand on aura une automatique et tout, c'est ce que je disais, je vais jeter... fusil à pompe, un des snipes, toutes les balles, enfin vraiment en mode pas les mains dans les poches, mais pratiquement quoi. J'aurai le minimum sur moi, des serrures, des petites mines. Et puis quand je trouve un silo, je les garde, et puis je craft, et puis je entre guillemets, je fais chier au fur et à mesure, quoi. Avant d'aller faire un tour à l'airfield, je vais faire un tour en ville quand même. Non. Non. Et je sais que j'en ai tué deux ou trois fois, parce qu'ils sont venus plusieurs fois. Parce que bon, j'étais quand même bien planqué dans la baraque. Pour défense, c'était pas mal, mais... au bout d'un moment, il y en a un qui était de très loin, qui attendait que je me mette à une des fenêtres, qui snipait en fait. Mais ça a duré 4 heures, hein. Même une partie du raid... où j'étais sur le jeu sans être sur le jeu, j'avais juste le son et je faisais autre chose parce que ni eux bougeaient, ni moi bougeais. En fait, ils étaient partis faire des balles de fusil à pompe pour essayer de détruire les murs. Remac. En fait, ils se sont rendus compte que je réparais le truc derrière, donc en fait, ils auraient jamais pu casser le mur. Donc le truc, c'est qu'ils m'ont tué. Et ils ont réussi à monter à l'étage, je savais pas, avec le tracteur qui m'avait volé. En fait, j'aurais dû mettre aussi des palissades devant les balcons. Les balcons de devant. Ouais, c'était fun. Franchement, c'était bien. Un peu chiant à 1 contre 4. Un peu dur et stressant. Parce qu'en fait, j'avais pas le droit à l'erreur, en fait. Je pourrais pas faire de lead de respawn. Puis j'avais pas de point de fame, surtout. Je vais camper un tout petit peu la baraque, voir s'il y a du mouvement dans le coin. Même si j'ai qu'une... santé! Même si j'ai qu'une lunette x4, on va quand même voir si... s'il y a du mouvement ici, parce que ce village-là, il est souvent...
traversée. Donc j'ai une maison qui est parfaite pour ça. À moins qu'il y ait déjà des mecs qui soient venus les... Non. Y a quelqu'un? En même temps, je pense pas qu'ils me répondent. Et du coup, je doute plus. Enfin, sauf quand on cherche vraiment un truc en particulier. Kit de réparation d'armes, chargeur, armes automatiques, évidemment. Et dès que j'ai ça, je vais jeter arbalète, tout ça. Enfin, tout ça, ça fait du poids, malheureusement. Et... Je vais pas prendre le risque d'avoir ça sur moi. Je vois qu'il y a les deux Z là. C'est signe qu'il n'y a pas grand monde dans le village normalement. Et on va camper une petite minute dans le village, voir si on voit du mouvement. Et après, on ira enterrer une partie du loot. Visiblement, les dômes sont fermés, même en face. Bon, ça veut pas dire que ce soit. Ouais, ça va, pardon. J'avais pas vu. Un petit peu concentré. Fait pas de mal de temps en temps. Oh, je vais le prendre. Ouais. Tirags. Ah, mais suis-je bête? Bon, je pense que ça a l'air d'être jouable. Yo les escrocs! Salut Raph! Bienvenue à toi. Bon, je crois qu'on va pouvoir y aller, hein. Je voulais juste voir s'il y avait un peu de passage, s'il y avait un méca qui se réveillait avant de se poser. Mais on va sortir avec le fusil à pompe. Mickey! Y a pas de bruit, il se passe rien. Alors, est-ce que du coup l'airfield est toujours joué comme avant? Ça, on sait pas. Franchement, je sais pas. Bah, Mickey, Mickey, c'est chaud quand même. Hein. C'est la première fois, Raph, que tu viens sur le live? Si tu es déjà venu, je m'excuse d'avance, mais c'est vrai que c'est difficile de retenir tous les noms. Ah, bah, bienvenue à toi là. Tu verras, il y a que des gens sympas et si tu as des questions. Faut pas hésiter. Si t'en as pas, faut quand même parler. Hein. Et puis, tu joues à Scum ou tu fais le curieux? Non, tu joues pas. Tu sais pas ce que tu perds. Enfin, tu sais pas ce que tu gagnes aussi. Hein. Attention. Il est écrit derrière la boîte du jeu, Scum est addictif. Donc une fois que tu joues à ce jeu, oublie tout le reste. T'auras plus envie de. Enfin, si tu t'y mets vraiment et t'aimes les jeux de survie, après c'est fini pour toi. Je te le dis, c'est problématique. Hein. Et c'est un jeu qui est très technique. Là par exemple, j'ai pas mal de matos sur moi. Entre les deux snipes, ils sont en mauvais état, mais. Fusil à pompe, arbalète, des mines, un peu de tout. Si je meurs, je perds tout, pour faire simple. Donc en fait, c'est pas un Call of Duty, tu cours pas comme un démeuré partout. Tu joues très tactique, tu fais attention au moindre bruit. Parce que c'est primordial. Il peut y avoir un mec dans un buisson, n'importe où.
C'est pour ça que je suis passé un petit peu en retrait, voir s'il y avait du mouvement dans le coin, parce que c'est quand même un coin qui est très utilisé avant de faire quoi que ce soit. Alors évidemment, t'es pas obligé d'avoir tout sur toi, tu peux planquer des trucs, avoir une base et compagnie, mais là je suis en mode de jeu où je suis sans domicile fixe, sans faire de jeu de mots. Je me balade partout sur la map, à la recherche d'ennemis et autres. Du coup, bah, l'avantage c'est que tu te balades partout et t'as des possibilités de croiser du monde. L'inconvénient c'est que t'as que ce que t'as sur toi, quoi. Donc si tu meurs, ça fait mal aux fesses. Mais là, je vais faire un petit coffre, je vais en tirer une partie. Il y a des choses que j'ai pas besoin de prendre sur moi pour aller dans l'airfield. On va se faire un coffre vite fait. On va le planquer, on va l'enterrer. J'ai pas forcément besoin de prendre une mine là avec moi. Je vois pas de mouvement, je vois pas de porte. Porte ouverte. Laissez-moi tranquille, j'ai déjà assez de galère là. Faites-moi des bisous au lieu de m'attaquer là. Bon. J'ai trouvé un petit coin pas trop visible pour faire le coffre. Le problème, c'est que là, je vais devoir faire du bruit. Et le bruit, c'est un ennemi. Un gros ennemi. Je vais reculer encore. Je vais me foutre en forêt vraiment profonde, tant pis. Plus difficile à retrouver après, mais... Bon, l'avantage, c'est qu'il y a les hautes herbes, donc tu peux t'allonger dans le... Dans la pampa. Et là, par exemple, pour Raph qui est là et qui découvre le jeu, là quand je coupe du bois, ça résonne dans toute la forêt, limite. Donc en fait, t'essayes de faire vite, discret et vite fait, bien fait, comme on dit. Et là, je vais être obligé encore de couper deux troncs. Comme j'ai besoin de planches, voilà. Mais en gros, c'est pourquoi tu veux pas couper là? Tu te moques de moi ou ça se passe comment? Ça va planter, mais non. Bon, le serveur vient de crasher donc on va attendre un petit peu. Ça va relancer. Aïe. Sois gentil, Elix. Viens m'apporter un café si tu veux et un sandwich. Ah, ça va bien de crasher. On va le relancer. Alors, vu qu'il a crashé, si vous le voulez bien. Je vais en profiter pour... Ah non, non. Je vais me connecter avant. J'irai chercher à boire après, parce que le serveur, il est full. Donc, bon, par contre, c'est quand ils veulent, hein. C'est quand il veut pour redémarrer. Et du coup, j'ai mis la ferraille dedans et ça va bugger, vous allez voir. Oh non. J'ai une ferraille sur moi. Bon, j'irai chercher en ville, c'est pas très grave. Et encore, franchement, ça va. Sur les serveurs auxquels je suis. Allez, c'est peut-être deux crashs par jour. Bon, tout à l'heure, on en a eu un parce que c'est la mise à jour du jeu. Mais là, non, mais par contre, là, c'est long. Hein.
Allez, c'est quand tu veux. Ouais, je pourrais, hein, je pourrais. En fait, ça va à pas planter, c'est moi qui arrive pas à couper des troncs d'arbres. Ok, le coffre est là. Ouais, je pense que le truc il a juste bugué. Alors ça c'est pire, c'est-à-dire que je suis resté comme un con pendant quelques secondes comme ça là. On se dépêche de couper la bûche du coup. Bonne remarque. D'habitude je le fais à l'X, mais là j'étais tellement persuadé que c'était un plantage que je l'ai pas fait. On va du coup, tant mieux, comme ça je vois l'arbre. Alors, ça j'en ai pas besoin. Je vais prendre fusil à pompe. Tac, juste 20 balles. Je laisse le sac dedans. L'imperméable. Le kit des réparations, la pelle j'ai besoin. Ça je laisse, ça je laisse. Tout ça je laisse. Voilà, fusil à main. Ah bah il faut que je prenne quelques balles peut-être. Quand même. Ou un ou deux clips. Je vais prendre les clips avec moi. Par contre, ça, il merde quand même le serveur. Hein. Il merde quand même. Voilà, et main fusil à pompe. La petite hache pour les aides. On va aller faire un tour. Par contre, ah, les calories, j'étais bien remonté la bouffe, mais la boisson, c'est compliqué là. Faut que je trouve un animal que je vais être obligé de bouffer. Ça me fait ch... Ça m'embête un peu de le faire pendant les lives, mais bon, je vais être obligé de. Si je trouve un animal, le tuer et le bouffer, parce que là, ça va plus. Du coup, j'ai posé les jumelles, c'est pas une super idée. C'est pas grave. Allez, je pars un peu les mains dans les poches parce que bah, le but de toute façon c'est de trouver des automatiques et des chargeurs, donc j'ai pas besoin de beaucoup de place. Au pire, j'ai une petite bobine pour recoudre un carquois s'il faut gagner quelques slots vite fait. El famoso, il arrive. On s'allonge dans les herbes, ça passe inaperçu. Nickel. Ça me fait penser à un des lives, un jour j'étais parti pour mettre le four pour la cuisson d'un truc, j'étais en train de prendre ma stamina. Et pendant que je suis parti, il y a des mecs qui sont passés en courant juste à côté, ils m'ont même pas vu. Mais ils ont enlevé quelques buissons là. Il y avait plus de buissons avant là. Oh là là. Ne te tourne pas tout de suite, hein. Ouais, ça passe là, hein. Ah ouais, il est nul au corps à corps lui. Même les coups de hache, c'est des fois. Hein.
Par contre, la petite hache qui va dans les... Oh, par contre, tu me fatigues, là. Hein. La petite hache qui va dans les poches, c'est juste un régal. Hein. Salut, Peter Wolf. Et comment ça va, Peter? Peter... Un knife. Je vais le prendre pour m'amuser à le lancer sur les aides. Allez, on y croit là. Ça sent l'automatique. Ça, c'est le deuxième deagle que je trouve aujourd'hui. Que je vais pas prendre du coup. Eh ben, ça va. Un petit live le soir, c'est assez rare. Donc, on en profite. Là-dedans, on ne trouvera jamais rien. Peut-être une bouteille d'eau à la rivière. Viseur, ça c'est good à prendre. C'est le futur viseur de l'automatique. Wow, carburant ici, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Chargeur de 9 mm, on prend pas. Garder le fusil à la main, n'est pas là pour faire du tourisme. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai la tenue complète, hein. Tout assorti et tout. Je dirais presque un pro. Hein. J'ai dit presque. Hein. J'avais pas vu le mecha. Donc maintenant, on peut enterrer les corps. Je sais pas si vous avez vu, c'est cool ça. On peut enterrer les corps de zombies. Là, évidemment, dans le béton, on peut pas. Hein. Beau comme un camion. Ah, pour les Portugais, on dit beau comme une bétonnière. Hein. Ah, il est beau le caray, hein. Il est beau comme une bétonnière, lui. Hein. Maqué, hein. Super. Hein. Bon, c'est quand tu veux. Il est beau comme une brouette. Hein. Non, j'ai plus. Je suis pieds nus maintenant. J'ai plus les chaussures. Hein. Il est nul de corps à corps, il arrive même pas à lui mettre les coups de... Je suis obligé de limite de taper un petit peu en biais. Parce que sinon il le loupe. Voilà. Yo, vota de gras. Ah non. Enfin moi je suis sur le live aussi avec mon PC pour pouvoir voir le chat. Et... Enfin moi il y a l'image en tout cas. Je vais faire Alt F4. Non, je plaisante. Non, non. Yo, Lixup. Comment ça va? Ah, mais en vrai, j'ai mis le coffre. J'ai même pas mis un blueprint pour savoir où il était. Très intelligent. Balle de M1, ça? Ah non, SVD. Non, non, visiblement, tout le monde voit l'écran, je pense. Ça, non, Elix, je m'aurais pas dit que j'étais beau comme un camion. Oh, ça, c'est bien. Allez, plus que la K47. Et on est bon. C'est-à-dire qu'après, j'aurais juste à faire le rail, on a le viseur et les balles, puis je peux les fabriquer, ça, c'est pas gênant. Ah bah, j'en parlais juste avant, il faut que je mange, moi aussi, donc... Il a très très faim. Ça marche nickel. Bon. Puis depuis un jour et demi, il n'y a pas de lag pour le moment. Tant mieux. Sur les streams, je veux dire. Là, le serveur, il est full à rabat. Allez, une petite AK-47. On n'en parle plus. J'ai le kit de réparation dans le sac. Comme ça, je jette un gun ou je l'échange. J'essaie de faire du troc. Je sais pas si ça marche. C'est la mire du M16. On s'en... Tampon. Allez, une petite AK là. 47 parce que j'ai le chargeur. Hein. On n'en parle pas. Il me donne pas une 74U. Je fais pas le con. Ah ouais? C'était quoi ça? Non,
Bah moi, quand j'étais dans ce secteur-là, c'est vrai que c'était assez peu régulier, j'avoue. Mais pas grand-chose. Sinon, bah, il fallait tuer les ennemis. Ah, je suis au bord déjà. Bon, le moment tant attendu. Ouais, mais par contre, là, je suis dans la mouise, là. Yes, oui, dans la mouise, parce que du coup... Voilà, faut libérer les mains pour courir plus vite. Même si là, je suis en mode super léger. J'aurais dû garder les jumelles. Dès que... Ouais, depuis la mage, ouais, ça c'est clair. Dès que je tue un Z, je me fais un petit carquois, ça fera toujours de la place pour mettre les trucs dedans. D'habitude, je les fais pas, mais là, je le sentais bien. Peux te dépêcher, parce que là, pour une fois que je cours vite. Excusez, hein, je suis un petit peu enrhumé du coup. Ah, de la farine, ça je prends. Là aussi, ça fait des rags. Ah, je suis full en poids, sérieux? La loose. Tant pis. On mangera plus tard de la farine. Faut se chauffer, hein. J'ai tellement fait le coup de buter des mecs en me collant derrière le mur que maintenant. Allez, on est venu chercher une automatique là. Pas ce que je viens de voir au-dessus. Mais bon. Une petite automatique, une petite TAK à 47. Ah ouais, toi non plus? C'est bizarre ça. J'ai rien touché hein, depuis tout à l'heure, hein, sincèrement. Et vous êtes deux à pas voir l'image. C'est bizarre, hein. Vous êtes sur téléphone ou sur tablette, ordi Ah, je savais bien que c'était le cheat qui faisait tout bugger. Ah oui, c'est vrai que c'est pas con comme logique. Le cheat Poise V1, vous connaissez le Poise V1 sur portable? Attends, je vais essayer sur mon pad. En live. Alors. Non, ça marche. Je sais pas si on me voit là. On voit un mec qui bouge pas, mais c'est moi. Hein. Je pense que vous avez des petits bugs chez vous. Alors, je sais pas d'où ça vient par contre. Mais... Bon. Ah, évidemment. Ouais, ça va, c'est bizarre. C'est visiblement... Bah, après, il est pas seul, alors que tout à l'heure, ça marchait. J'ai rien fait. S'il y a un souci, c'est Twitch. Pour une fois, je suis pas coupable. Pour une fois.
Bon, même si j'en ai déjà un dans le coffre, au moins ça me permet d'avoir quelques slots de plus au cas où. Voilà. Bah, de toute façon, maintenant, tout le monde sait que je suis là. En même temps, j'ai quelques fames pour revenir dans le secteur. Si je perds ce que j'ai sur moi, c'est pas la fin du monde. Bon, si ça passe, ça va. Allez, on est venu chercher une AK là. AK-47, AK-74, RPK. Non, AK-47, RPK, je prends. 74, ça m'embêterait un petit peu. Le reste, on ramasse pas. Kit de réparation d'armes, évidemment. Tout ça, c'est bienvenu. Tournevis orange, jaune. String léopard, tout ça. On prend. RPK, RPK. RPG, c'est trop encombrant le lance-roquette. Il y a un brouillard qui tombe. Il est où le... Oh, ils m'ont pas écouté. Oh, ils m'ont écouté. Elle est là! Et ben voilà. Donc on la répare, on va faire des balles. Et on va commencer à s'amuser un petit peu là. Va devoir chercher des balles maintenant. Voilà. Propre, comme on dit. Exactement. Nickel chrome. Et pour me faire chier, et là ils vont me donner une M16 aussi, tu vois. C'est genre, merde, laquelle je prends, tu vois. Mais techniquement, je prendrais la K parce que j'ai un chargeur de 75 balles. Avec un chargeur de... Ouais, c'est ça. Je suis pas encore sorti, en fait. Bien, bien, bien. Allez, Bien, tu shoots bien. maintenant. Et tu Tu shoots. shoots. Ouais. Allez, viens. C'est exactement Et t'es ça. bon, toi. Ou sinon, on peut mettre ça. Oui. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Allez, ce valon, on prend pas. Allez, là ça serait nickel, c'est le mon viseur préféré, un petit OKP ou même un ACOG, je prends OPK pardon, OKP, OKP et ACOG, voilà c'est ça. Ah, par contre ça m'embête, c'est que ça rentre là. Ouais, ça rentre mais c'est trop lourd. Ok, obligé de courir avec quelque chose dans les mains maintenant. Pas de mine. Pas d'ennemis. Ça, on prend pas. Chargeur de M16, des trucs comme ça, on prend. Ça vaut le coup. Lui, il a l'air bien calme comme Z. Piti, piti, piti. Bon, lui, il est assez maigre. Je vais lui mettre des coups de crosse, ça devrait aller assez vite. Par contre, alors les casquets, j'avais la flemme. Si je savais que le brouillard tombait, j'aurais même pas pris le M1. Hein. Quel intérêt de prendre un fusil si on peut pas voir. J'en ai dans mon sac des mines bien fraîches. Fraîchement craftées, prêtes à déposer au prochain conducteur de quad. Je dis ça pour ceux qui ont suivi l'épisode d'hier. Le pauvre, quand j'y pense. Oh! Je vais juste le mettre parce qu'en fait il va pouvoir porter la carte. Mais je vais le jeter après, hein. C'est trop lourd. Moi je porte pas ça là. Avec tout ce que j'ai dans le dos. C'est comme si je me trimballais en boulet, quoi. Alors, la batterie, figurez-vous. Ah, d'accord. Que je vais la prendre. Et je vais la laisser entière pour le moment. Parce que quand je casse pour faire la plaque de plomb, parce que je vais être obligé de faire des balles, la plaque de plomb pèse plus lourd que la batterie. On va comprendre. Hein. Il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Donc, je vais la laisser entière pour le moment. Si je vois que je loot quelque chose et que j'ai pas de place, évidemment je vais la casser, mais.
Du coup, juste après, on va passer en ville. On va essayer de loot ce qu'il faut pour faire les balles. Ça m'emmerde un peu parce qu'il faut pas beaucoup de choses, mais il faut que je trouve de la poudre. Bon, plaque de plomb, je viens de trouver. Poudre, plaque de plomb, après ferraille, c'est vite fait. Bon, nice. Deuxième viseur. Je crois qu'il y a un chargeur sur la table de quelque chose. Ça, j'en prends plus, je les prends là, mais j'ai trop de balles, même dans mon sac et tout. Ouais, il se valait encore. Au quatrième aujourd'hui. Ouais, déjà. Non, mais j'ai à peu près une bonne mémoire. J'ai dit à peu près, hein. Commencez pas. Putain, il est où le... Ah, il est là. Okay. Merde, tu mens. Me dites pas que je vais faire un perfect, hein. Ils sont déjà revenus, sérieux? Ah ouais? C'est bizarre ça. C'est Twitch qui me boycotte. Ils veulent pas que vous regardiez. Si, je suis allé là, c'est le premier. Il y a même le jerrycan de tout à l'heure que j'ai sorti. C'est le tout premier silo que j'ai fait. Oups, oups, oups. Là, quand je vais fouiller. Là, ça me le met déjà en mode fouiller. Ouais, c'est bizarre quand même. C'est bizarre parce que bah, vous avez vu, moi sur mon tel, ça ouais, il y a Twitch qui me boycotte, c'est ça, m'empêche de faire un bon live. Oups. Allez! Vous voyez? À part vous dire que je suis désolé, je sais. Je comprends pas. Encore, ça serait tous les téléphones qui déconnent. J'aurais pu me dire qu'il y a un problème technique quelque part, mais là. Bon là je devrais avec la ration, ça devrait être bon, mais par contre l'eau ça va être compliqué là. Bon, la bonne nouvelle c'est que l'arme est à 38, donc ça va pas prendre toute la caisse normalement pour la réparer. Donc comme ça je peux réparer ça et le Nagant avec le viseur. Je pense que c'est mieux de jouer au Mosin qu'au M1. Je vais laisser un coffre enterré dans une ville quelque part, et si un jour je...
Je meurs, bah, j'essaierai de devenir le déterré, mais maintenant il dure plus que 11 jours, donc ça part assez vite. J'ai perdu 33% d'endurance, sérieux? 32? Bon, tu te dépêches ou... C'est pas que je suis pressé, mais un peu quoi. Allez, on va y arriver. Oh là là, le fait d'avoir sauté, ça m'a reculé. J'ai cru que j'allais me faire capter par le... Ce brouillard, mon frère, laisse tomber. De nuit avec la lumière des mechas, ça doit être génial ça. Sauf que là on voit rien, hein. Il y a un mec derrière. Magnifique avec les rayons de soleil et tout. Et encore, il est pas très présent le soleil là. Ouais, comme tu dis, là ça va être marrant de retrouver là. C'était au pied d'un sapin déjà. Ça va, il n'y a presque pas de sapin donc. Effectivement, là, c'était la bonne boulette. Mais où est le sapin? Oh, le con. Peut-être un peu plus haut. Comme quoi, mettez des blueprints hein, à côté de vos coffres, faites pas comme moi. Voilà. Ah là là. On est boulet ou on l'est pas. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'être un boulet. Hein. Ok, je vais reprendre ma stamina avant. Le peu que j'ai en tout cas. 30... Eh, ça continue, hein, c'est dingue. C'est dingue. Je vais finir à 30% d'endurance. 1 litre 6 d'eau. Bon, j'ai déjà été pire que ça, hein, mais... Clairement, ça va être tendu. Ah, elle est... À 2% près, ça... Je te sors une pêche, hein. Un gamin. Oh, il a pas l'air... Pas souriant, hein. Il est pas content, là. Il a le pile de 71 dans la gueule, mais... C'est dingue, hein. Je pense que les mecs sont sur les nouvelles zones, hein, quand même. Hein. Ça passe ou pas? Non, il va en faire une pause. Oh, 100%, sérieux. Escroc. T'es un escroc. Ok. Maintenant le gros merdier. Attendez. Déjà. Ok.
Ok, à l'origine, donc on avait ça comme ça. Ça, je vais le mettre. Ça, c'était... Ça, je l'avais pas. Ça, c'était genre... Il y en avait un dans le pantalon. Chargeur de M1. Je suis obligé de trouver de la place, c'est ça la galère. Par contre, j'ai la banane en plus, donc je vais pouvoir stocker des trucs importants dedans. Ça, on va faire ça comme ça. J'aimerais bien garder le poids pour le... Ok, le kit de réparation, évidemment. Tac. Je vais réparer l'arme tout de suite. C'est clair qu'on va jouer à la carte. Hein. Donc là, il est à 100%. Impeccable. Il me reste 38. On va réparer celui-là. Ok. C'est pas si mal quand même. Tac, tac. Ouais, ça j'ai ça que je peux mettre. Je vais garder le tournevis, on sait jamais. Voilà, le reste c'est du superflu. Là, il faut vraiment que je fasse le tri complet. Parce que je vais pas tout prendre du coup. Ok. Déjà... Voilà, tout ça, ça fait beaucoup de balles de pompe. MP5. Franchement, je vais pas jouer avec. Je vais laisser tout ça là. Je vais tout enterrer. MP5, je jouerai pas avec. UMP45, je vais pas jouer avec. Des balles de pompe. J'en aurai assez. Je garde le M1. Je garde les deux mines. Le chiffon, on verra plus tard. Les plumes, on verra plus tard. L'arbalète, je pose. Je ne jouerai pas à l'arbalète. Ça me fait plus chier de jeter le M1. Que l'arbalète, donc je vais garder M1, tac, ça je pose aussi, j'ai quelques balles d'SVD, ok, je suis désolé, hein, je parle tout haut, mais je parle tout seul, chargeur du MP45, ça je jette, kit de couture, je jette, les viseurs, bah, je vais en garder. Je vais en garder un. Je vais mettre celui-là dessus là. Hop. T'as l'arbalète avec le viseur de gun, c'est top. Hein. Au moins si je meurs, j'ai un petit truc ici dans le coin à disposition. Les stylos, je garde. Ça, je garde. Ça, j'ai pas besoin. Ah, encore des balles de pompe. Non mais regardez, c'est la folie quoi. J'ai assez pour aller détruire un mur là. Ok, on est bien. Normalement, je suis à 43 kilos. C'est pas trop mal. On va enterrer ça. Je mets un blueprint. Hein, comme ça, on n'oubliera pas. Puis là, on va aller faire au moins une trentaine de balles d'AK. Donc, il faut que je trouve une poudre à 150, ça suffit. Maxi 2. Je vais faire plutôt le village ici en attendant. Peut-être moins risqué qu'aller au grand village. Après, si j'ai pas assez, ben... Faut que je trouve aussi un clou, un boulon de ferraille pour faire une caisse à outils. Idéalement, il faudrait que je trouve la caisse à outils entière, mais... C'est pas Noël non plus. Est-ce que ça, je peux le mettre là, là? Parfait. Le silo. On va optimiser. On va remplir les poches. Évite de chercher les loot ailleurs. Voilà. Tac. Là, comme on peut prendre du poids. Nickel. Ok. Fusil à pompe toujours en raccourci. On est bien. Hop, 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 le blueprint. Je l'ai oublié. Bon, le plus simple, ça serait idéalement de mettre le drapeau, mais je pense qu'on peut pas le mettre. Voilà. Donc on va mettre ça, c'est assez visible.
Ok. Et de l'eau, évidemment. Mais il y en a dans le village, je pense. Donc on va se balader. Pomper up, plusieurs pompes dans les mains. Parce que c'est la seule arme au corps à corps pour le moment qu'on a. Évidemment, dès que j'ai mes balles de... D'AK, le fusil à pompe, je le pose dans le coffre. Hein. Avec toutes les balles et tout, donc ça va libérer pas mal de place. Là, l'idée, c'est de d'équiper à fond le l'AK. Mettre un silencieux dessus. Remplir le chargeur. Et une hache. Hop, la petite boisson qui va bien. Alors, clou, boulon, ferraille, poudre. C'est tout? Pardon. Satané rhume. Cadenas, j'en veux plus. Un clou, il me faut un boulon. Pour faire la première caisse aussi. Ce qui serait bien, c'est que dans ce village, j'ai de quoi faire les balles, mais je suis pas convaincu du tout. Pour le moment, je prends toute la ferraille là. Dans l'airfield, par exemple, tu veux dire? À l'intérieur? Du moment que c'est de la terre, tu peux enterrer où tu veux. Tant que c'est pas un sol en béton. Après, c'est risqué, hein. T'as aussi plus de visibilité, plus de passage. Allez, les gros nuages gris qui arrivent là. Ça, je vais le prendre, je vous expliquerai pourquoi après. C'est pas que je vais faire des bombes. Hein. Tout. Allez, deux boulons. Comme ça, on fait vite fait la caisse à outils. Et c'est surtout une poudre qu'il faut trouver. Une ou deux. Je crois que de mémoire, dans le coin, il doit y avoir un bunker militaire. Et dans les bunkers militaires, on trouve assez régulièrement des poudres. Enfin, idéalement, j'aurais bien aimé de le trouver dans ce village-là. Après, ça serait trop beau. Faut quand même un boulon là. Je préfère poser l'arme par terre moi-même parce que généralement, quand ça tombe tout seul, on l'a dans le. Dans le fion. J'hésitais avec la. Avec l'autre petite scie pour le bois parce que l'avantage c'est qu'elle fait beaucoup moins de bruit. À longue distance, quand tu coupes du bois. Bon, j'ai assez, maintenant il me faut au moins deux boulons, hein. Donc il faut commencer à être sympa avec moi, là, vite fait. Plaque de plomb, j'en avais besoin d'une deuxième. Ça, c'est fait. Sachant que ça prend 5. Donc là, ça fait 3. 3, ça fait 15 balles. Je peux déjà faire 35 balles là. Si je trouve une poudre. Évidemment, oh, la caisse à outils, ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Où je trouve.
Bon, l'avantage c'est que j'ai plus besoin de la fabriquer, donc j'ai plus besoin de boulons. Que la poudre. Bon, je prends le boulon au cas où. Allez, une petite poudre là. De toute façon, je vais jeter tout ce qui est surplus. Oh non. Où est-ce que je peux trouver une poudre selon vous là? Là je suis un petit peu emmerdé parce que du coup je peux plus poser l'arme. C'est pas grave. Je vais voir en haut, il y a une supérette avec deux véhicules devant, avec un peu de chance. Une petite poudre dedans. Est-ce qu'il y en a un qui d'entre vous a une map scum avec les. Attendez. Avec les bunkers, je crois qu'il y en a un dans le coin. Je pense que j'ai moyen de trouver des poudres dans le bunker. À boire, on a trouvé. À manger, on a trouvé. On a trouvé la quête. Il manque vraiment juste la poutre, quoi. C'est dingue, quoi. Je vais être obligé d'aller jusqu'au village au-dessus, c'est pas grave. La bouffe, c'est. On est limite, limite. Alors, l'eau, j'en parle même pas. Tant pis, on va boire du soda. Hein. On ira lui faire un petit caca parce que. Je sens qu'il se sent pas bien là. En parlant qu'il boit, je vais essayer de voir si je peux trouver. Non, là-dessus j'ai pas. Ah mais j'ai une application, attendez. Je vais juste faire gaffe qu'il dépasse pas. Ouais, il y en a un juste au-dessus, je crois. Hein. C'est ce que je me disais, mais je veux pas me tromper de direction. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui arrive. Je fais quelqu'un entre les rayons. Moi. Alors. Ah oui. Bah juste ouais plein d'or là. On va aller voir. Là-dedans je pense que je peux trouver. Ouais exactement. Il est ici là. C'est ce que je viens de voir sur l'application. J'ai oublié que j'avais l'appli et c'est vraiment pratique quoi. Bon la bouffe ça remonte, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre on est à moins 39 en endurance, ça c'est la catastrophe. Mais bon là avec l'eau qu'on va lui donner et puis dès que je finis je vais on va se faire un coma hydraulique. On va tout boire et puis là j'ai perdu 7% en force. Tant pis pour le soda hein. C'est pas bon, ça fait du gras mais allez ça passe. Tac, il s'est pris la bouteille dans le pif. Il y a même une grotte ici là. Juste au-dessus. C'est magnifique avec le gros nuage, le soleil au fond. Bon là ce qui m'emmerde c'est de courir avec l'arme dans les mains, ça ralentit beaucoup. Grave. Alors, en plus j'étais déjà un peu mouillé, heureusement qu'il y a le carré.
Et ben on dit merci à Monster X7X. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Je joue sur un serveur privé avec les rights officiels. Et je peux pas donner le malheureusement le nom du serveur. Non pas parce que on se connaît pas, mais je donne à personne pour éviter le stream hack. Parce que sinon beaucoup viennent déterrer les coffres et compagnie. Donc mais je joue que en loot. En loot comme officiel, comme ça, il n'y a pas de. Oups. Ah bah ça, au milieu de la pampa. On avait oublié en plus. Cadeau de bienvenue. Il nous fait une petite diarrhée. Alors lui, il respecte rien. Alors c'est pas volontaire, hein. J'y suis pour rien. Ouais, je pense, hein, elle est bien. Hein. On m'a dit, écoute, cache le chat. C'est fait. Ah. Ouais, c'est vraiment gentil. Franchement. Merci à toi d'ailleurs. Mais comme tous ceux qui me proposent d'ailleurs même en privé, etc. C'est super aimable de me proposer des véhicules, des armes, des machins et de l'aide. Pour le moment, je suis solo. Solo, j'aime bien galérer. J'aime bien ne pas avoir d'armes et compagnie. Je trouve ça un petit peu plus palpitant. C'est-à-dire que si en gros je savais que j'avais un corps par exemple rempli de 10 AK, je ferais pas les mêmes moves, je ferais pas la même attention, je ferais pas attention au bruit. Et ça coupe un petit peu le style du jeu, je trouve. Enfin, je veux pas que ce soit trop facile. Par contre, je suis en train de dériver dans la mauvaise direction. Ça fait longtemps que tu joues à Scum, mon star ? En tout cas, nous, c'est on a une petite communauté, mais assez fidèle. C'est assez régulièrement qu'on a les mêmes viewers. Il y a même le Discord, on discute beaucoup dessus de Scum, d'autres jeux, d'aide et compagnie. Donc, franchement, si t'as besoin un jour, t'hésites pas. Hein. Ah, je suis à moins 40%, non mais sérieux. À la fin du live, il sera en train de ramper, quoi. Un petit coucou à ma chérie qui était venue pour faire un petit post-clope avec moi, mais bon, on est en pleine galère là. Madame P7, elle vient de passer. Ouais, franchement, je pensais qu'en remontant la bouffe, il se serait enfin un petit peu guéri entre guillemets, mais c'est vrai que c'est l'eau là. Il faut vraiment qu'on trouve prochain puits. Il faut que je m'arrête devant. Alors, on perd trop de temps. J'aurais dû bulle. Je vais peut-être même lâcher la ferraille en fait. Je la trouverai plus tard. Je vais voir. Quoi qu'il y a une ville juste à côté. On va aller faire les balles là-bas, je pense. Alors, le bunker. Mais merde, il est encore à gauche, là. Faut qu'on trouve une poudre, là. Pour qu'on puisse équiper la car. Et comme ça, en même temps, je fais le rail pour mettre le viseur dessus. Si déjà, je fais une trentaine de balles, ça... Ça dépanne, comme on dit. Oula, reprends ta respiration, ça va bien se passer. Là c'est beau hein, quand même, hein. Regardez. Allez, on est presque au bunker, allez. D'ailleurs, il est très très grand ce bunker. Et on peut presque fabriquer une base collée au bunker, pratiquement. Un jour, j'avais failli le faire sur un des serveurs. Bon, on va faire une pause endurance avant. En plus, le fait qu'il ait une arme dans les mains.
Ça aide pas du tout. Voilà, on essaie d'avoir un petit peu de discrétion, mais c'est pas facile, hein. Ouais, il reste un petit peu d'eau dans les intestins, donc ça va continuer à diminuer un petit peu, mais... On était à plus de 80% tout à l'heure. Ouais, il est magnifique. Entre les bruitages, le graphisme, le son, là, l'orage et tout. Ah, il faut juste prier qu'il y ait une poudre dans le bunker, sinon on va faire le village qui est juste à côté. Ça me fait toujours chier de traverser les routes parce que... ouais, mais je te le dis, hein. Je le dis souvent en rigolant aux gens qui se lancent dans ce game. Préparez-vous, hein. Surtout celui qui est viewer depuis des semaines et des mois et qui n'a pas encore commencé. Lui, il va craquer, il va péter un boulon, lui. Les premiers jours, ça va être 6, 7, 8 heures d'affilée, hein. Eh, mais attendez. On peut pas manger de la neige? Ça donne de l'eau, normalement. Comment on fait pour fouiller de la neige? Normalement, on peut avoir de la neige, ça fait des... On peut manger les boules de neige. Voilà, c'est que des cailloux. Bah moi, je le trouve magnifique, c'est quand je joue hors live. Et du coup, que je mets tous les settings à fond. Wow, y a une claque quand même. Je sais que normalement, quand on est dans la neige comme ça, là. En fait, il fait jour, mais il fait presque nuit avec ce mauvais temps. Je sais que quand on est dans la neige, d'habitude, on peut fouiller des trucs pour avoir des boules de neige. Et du coup, tu les manges, ça te donne de l'eau, mais. Pourquoi là, on n'a pas? Est-ce que quelqu'un sait me dire ça? Ouais, moi aussi, je pensais que c'était dans les cailloux. Mais pour une fois que je cherche des neiges, ils me donnent des cailloux. Des vrais. Regarde. D'habitude, tu cherches des cailloux pour faire, tu sais, le couteau improvisé quand tu viens de crever, il t'en donne jamais. Quoi. Allez, il me faut au moins une poudre à 130 ou truc dans le genre. Et souvent, franchement, combien de fois j'ai trouvé des poudres en mauvais état dans les bunkers et tout. Vous allez voir que là, comme par hasard, on est en live et tout, j'aurais pas la poudre, mais... Ah, un gun qui vole. Allez, la petite poudre qui va bien, là. Celle qu'on ramasse jamais parce qu'elle est abîmée, là. On a besoin de toi, là, ce soir. Ah, je sais pas. Je sais que peu de fois où je suis venu dans la neige, je sais que j'avais pu trouver des boules de neige. Du coup, j'étais content. Mais voir que le bunker, en fait, il a été fait, il n'y a rien. Ah, des balles de M1 en bon état, c'est rare, même, moi. Du coup, je vais jeter celle-là. Balle de pont. D'habitude, tout ce qu'on trouve ici, tout est ruiné. Incroyable, hein.
Incroyable, ils vont pas nous les donner, hein, les escrocs. La petite poudre dont on avait besoin là. Incroyable. Regardez cette vue quand même. Chapeau, Scap. Chapeau. Encore? Ouais, mais bon, des perçantes là, ça donne envie de les garder quand même. Ok, bon, c'est pas grave, on va aller au village d'à côté, hein. Ça reste dans le même secteur, hein. Non, faut pas le donner de boule de neige. Faut peut-être que j'aille encore plus au nord. Je sais pas. Bon, je vais me concentrer surtout. De voir s'il n'y a pas du monde. Attends. 200 millilitres. C'est comme si j'allais limite boire une gorgée. Au puits. Ça y est. Elles reviennent, les boules de neige. Allez, allez. Rien. Ouais, tu m'étonnes. Genre, t'es dans la neige, mais c'est rare la neige, hein. C'est le. Enfin, quand je dis ça, je dis y a un truc qui va pas dans ce que je viens de dire. C'est dans la neige, mais il n'y a pas de neige. Ouais, avant il y en avait plein. Hein. Genre, tu pouvais remplir ton sac de boules de neige, quoi, limite. Bah, si tu veux faire pipi, on va y faire pipi avant d'aller au village. Ouais, ça a vachement changé. Ouais. Avant, il y en avait à foison. Bah, laisse-moi tranquille. Remplir une bouteille d'eau, hein. Fais bouillir, ça passe. Bon, en espérant qu'on trouve de la poudre. Ah, on peut pas. On peut faire plein de trucs, mais pas ça. Toujours pas. Ah ouais, bon, tant pis. Hein. On va trouver une fontaine, ça sera beaucoup plus rapide. Oui, c'est mal foutu, hein. Je te l'accorde, hein. Bon, il y a des trucs qui sont bien quand même, hein. On va pas s'en plaindre. Alors, souvent dans ces ateliers-là, on trouve la poudre. Allez. Allez, mon gars. En plus, on peut fabriquer les balles ici. Ah, mais c'est un Z, j'avais même pas fait gaffe. Ah, une petite poudre.
Une poudrinette. On est au bon endroit déjà en plus. Non, pas du charbon. Pas des noix. C'est dingue. Eh, on va pas en trouver quoi. Ah, il y a des portes ouvertes. Ici, il y a eu du passage. En tout cas, peut-être qu'on a eu aussi ailleurs, mais ici, ils n'ont pas fermé les... Ah, putain. Mais en fait, j'ai envie de tout fouiller parce qu'il me la faut, cette satanée poudre. Et en même temps, comme je peux pas ranger l'arme... Ah, ça, j'en ai aussi besoin pour faire le silencieux. Ah, non, d'une pipe. Non, attends. Bah, attends, je peux le fabriquer tout de suite, je suis con, là. Je vais le faire tout de suite, ce sera plus simple. Ouais, juste la poudre. Tu peux le faire. Allez mon gars. Je vais faire plutôt les ateliers en premier. Ça c'est un bar. Ça, ça sera pour fêter la poudre. L'atelier est ouvert. Le garage aussi. Ça se trouve, je vais me faire tuer avant d'utiliser... La K, hein, ça réglera le problème, hein, comme dit Elix. C'est incroyable. J'en avais, franchement, avant de me faire aide, pas un coffre entier, parce que ça serait exagéré, mais on avait à foison de la poudre. Il y a une canne à pêche. La vraie canne à pêche, qui est buggée du coup, je traverse le mur. On en est où, allô? Ah! Mais ça continue à... Mais c'est dingue, quoi! T'as des problèmes de santé ou quoi, toi? Ça se passe comment? Tout à l'heure, on court presque pas. On boit. Et tout. Et le mec, il est au bout de sa vie. Le mec, il a une fuite dans... Dans ses reins, j'en sais rien. Mais... Tout le temps soif. Là. Entendu du bruit quand même. Allez, une poudre, une seule. Une petite poudre à 150, on n'en parle plus là. Allez. Allez, les chaussons de Helix. Je plaisante. Non, c'était Gros Chip qui mettait ça, pardon. Là, il y a la fontaine, mais vas-y, elle est trop visible. C'est Gros Chip qui mettait ses petites pantoufles là quand il rentrait à la base. Je vous l'ai dit, les gars, c'est Peppy Gaming. Hein. Moi, je trouverai jamais là-dedans, mais bon. Je viens fouiller au cas où. En fait, je viens de looter il y a très peu de temps. Le mec est peut-être même encore dans le village, donc.
Incroyable. Bonsoir, jolie mademoiselle. Comment ça va? On cherche de la poudre. Pas de la poudre blanche, hein. La poudre, quoi. Chier. J'ai marre de tousser. Putain, mais le mec, il a tout raflé. Non, mais... Une poudre! Pas compliqué! J'ai oublié de rallumer le micro, effectivement. Non, je disais que hier, donc on a été raid pendant 4 heures. Le cadre de porte a tenu parce que quand on est tiré sur les murs pour casser, moi je réparais. Oh, putain, le con. Ouais, je tousse en silence. Non, mais c'est vrai, hein. En fait, j'ai coupé le micro pour tousser. Non, bref. Et ouais, en fait, j'ai réparé à chaque fois qu'ils tiraient dessus, donc en fait, ils ont pas pu passer. Mais à force que moi, j'essaie d'en buter, parce que j'essaie de repousser l'embuscade, il y en a un qui s'était planqué dans les bois, mais genre très très loin, et qui m'a snipe. Et une fois qu'ils m'ont tué, ils sont passés, et je savais pas qu'on pouvait, par les balcons devant la maison. Ils sont montés sur un véhicule, et ils ont réussi à monter, je savais pas. Et évidemment, moi, j'avais ouvert les portes pour les shooter d'en bas. Ils sont rentrés comme ils voulaient. Voilà. Par contre, je suis en train de péter un câble, ils vont pas me lâcher cette putain de poutre. J'ai jamais vu ça. J'en cherche pas, j'en trouve plein. J'en cherche, j'en trouve pas. Bon, c'est toujours comme ça, évidemment, mais... Plaque de plomb, je vais quand même la prendre pour faire un maximum de balles. Ouais, il y a quelques portes ouvertes là. Ah, putain. Bah oui, putain, le con. Bah non, il pouvait pas. Il pouvait pas parce que les deux portes qui pouvaient ouvrir, entre guillemets,
il y avait les barbelés au-dessus. Non, non, ils ont pris mon tracteur. Je pense qu'ils ont collé le tracteur à la base. Le tracteur, il n'est plus aucun véhicule et ils sont montés avec ça. Mais oui, ils auraient pu aussi passer par la porte. Et là, pour le coup, c'était pas ça. Enfin, je pense pas, j'ai pas vu faire. J'ai tenu pendant 4 heures. Il y a même un moment où eux faisaient genre qu'ils étaient plus là. Moi, je faisais genre que j'étais pas là. J'étais même sur Twitch, je regardais, je crois, des vidéos. Bah, Tyson, je crois. Il était en live, moi je me faisais raid et j'étais sur son chat, quoi. Et par contre, j'écoutais de voir s'il y avait du mouvement ou pas. Dis-moi que c'est ouvert. Ouais, il faut que je fouille, là. Il me faut une putain de poudre, c'est pas possible. Une poudre, là! Ah! C'est dingue, c'est dingue. Comment tu veux que je fasse mes balles pour la cale là? C'est un truc de fou quoi. Il y en a tout le temps, tout le temps. Sérieux. La solution, c'est de faire comme je fais là, plus de base. Allez hop. Avec mon sac à dos. Du coup, ils sont rentrés, ils ont tout détruit, toutes les caisses, les machins, ils ont rien, rien. Mais quand je te dis rien, t'as l'impression que le serveur avait été wipe. N'y avait plus rien de rien. Bon, comment on fait là? Je vois même plus où est-ce que je peux chercher de la poudre. J'ai fait les ateliers, j'ai fait le commissariat. Et je te dis, je vais finir par me faire buter, j'aurais toujours pas utilisé l'arme. Ouais, non, c'est vrai, les poubelles, j'ai pas pensé. Celles-ci, je les ai faites. Bon, tu viens là parce que, en fait, ça fout le bordel. Ah, je le sens là. Je pense qu'on approche du but. Allez. Et en plus, je sens que vous êtes derrière moi là et tout le monde a envie que je trouve ma poudre à la. Ma poudre. Ah, je le sens que ça va. Ça arrive là. Oh, ça sent la poudre. Ouh là là là. Fatigue, ouais. Allez, allez là, allez, 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 viens. Ah, la journée. Bah, oh putain, bah oui. Ils l'ont annoncé en plus. Ouais, non, c'est sûr que tu peux pas. Tu peux pas avoir du poids sur toi sans tu meurs quand c'est comme ça. Hein. Bon, vous savez quoi? Vu qu'il n'y a pas de poudre, je fais la maison et on va aller s'hydrater parce qu'il commence à me casser les pieds lui. Allez. C'est ça. Au début, tu fais une base, puis t'es frustré. Tu dis j'arrête Scum. Tu recommences. On te donne un conseil, tu refais une base. Tu te refais raid. Tu dis j'arrête Scum. Et puis 2 semaines après tu reprends parce que tu veux pas arrêter le jeu. Et puis tu refais encore une base. Etc. 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 Bon, on est à moins 1 litre 6. On va quand même essayer de. Ce qui est extraordinaire, bon, les chiffres sont vraiment mal faits. Genre, j'apporte 20 000 calories, j'en dépense que 1 900. Mais pour autant, il galère à. Il perd, en fait, en différence calorique. C'est clair qu'entre 20 000 et 1 000, ça se joue à pas grand-chose, quand même. Hein.
Blaze! Ah ouais, c'est Koh-Lanta le vendredi, c'est Danse avec les stars. Non, c'est The Voice. Oh putain, j'ai failli vomir avec ces conneries. C'est The Voice le samedi. Après, si je fais des lives à 2h du mat, on va me dire que je fais pendant que vous dormez. Comment ça va? Ah là 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 là. Oh les mecs. Ah, magnifique scène. Bon, si tu veux venir, tu viens. Sinon, j'ai pas le temps, moi. Ah bah, tu veux venir. D'accord. Il est chaud bouillant, lui. File quoi? File dans ta chambre. Ah, j'ai la canette. Elle est où? On veut pas de ça. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte à Papa Seven. Enfin, Papa Bis, hein, parce que c'est Dad le... Revolf. Ah, Wolverine, pardon. Revolverine. Excuse me, sir. On va essayer de pas voir la chiasse, quand même. Ouais, mais ça descend vachement doucement. Hein. Hop, hop, hop. Ah mais, ça là, mon ami. Faut investir dans la JV, non? Avec les petites piles de smartphone, tu les recharges. Ah, ça c'est beau, ça. Bravo. Bien joué. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans ta base? T'as laissé les portes ouvertes ou ils sont entrés par effraction? Ah non, ça c'est chiant. Ouais, bah, j'en ai un peu aussi sur moi, il faudrait pas que je meure là. Et là, je cherche une poudre. Ça n'existe plus sur le serveur. C'est la journée sans poudre, comme disait. J'ai un trou. Ah, bah, voilà, alors lui. Il manquerait plus que tu chies sur l'arme, tiens. Ouais, 3 fois, ça fait beaucoup. Mais ils changeront pas la luminosité, hein. Et d'ailleurs, je trouve ça. Ça, tu vas pas être content, mais je trouve ça très bien. Mais pourquoi, en fait, ça descend que dalle? Je viens de passer 10 minutes à la fontaine, le truc, j'ai descendu de 50 millilitres, quoi. C'est incroyable. Ça me cassait les pieds, lui. Tiens, je vais manger du sucre. Ouais, vachement aidé, ça. Bon, c'est quand vous voulez pour la poudre. Quand vous voulez. Je suis pas exigeant, une poudre à 150 ou 130 ou machin. Je prends déjà. Je suis obligé de me taper tout un village. Non mais c'est un truc de ouf quoi. Combien de fois? Non mais combien de fois j'ai looté de la poudre que j'ai pas ramassée parce qu'en gros on en trouvait tout le temps. Là j'en ai besoin de une. Ouais, on m'étonne. Là, j'ai besoin d'une PUTAIN de poudre. Alors, rien, rien. Un truc de dingue, quoi. Genre, je vais faire tout le village. Allez, passe pas sous la map, c'est pas le moment, là. Je suis pas d'humeur, là. Rien, des bottes, des trucs à la con, ça on trouve, hein, mais de la poudre. Alors on va me dire que je suis pas au bon endroit, oui, mais bon. J'ai fait les garages, les ateliers. Ça, c'est aussi bien que de la poudre, ça. Ok, c'est à fond.
Ça, je vais jeter. Sérieux. Hop. Et d'habitude, je trouve jamais de kit de réparation, sauf dans les bunkers et compagnie. Mais je trouve des poudres. Maintenant que je cherche des poudres, ils me donnent pas de poudre, mais ils me donnent des kits de réparation. C'est génial. Je pose rien du tout, moi. Maintenant, je suis en mode vagabond. Je suis ici, là. Donc, j'ai fait l'airfield, j'ai fait là, je suis allé au bunker militaire. Je vais être obligé de finir par là, mais... Mais je range rien du tout. J'ai plus de base, en fait, Blaze. Maintenant, je me balade tout le temps à pied. C'est pour ça que je veux faire des balles pour l'AK. Après, je jette le fusil à pompe. Et en mode... Ah non, je suis en mode... C'est comme quand le mec qui prend son sac et Globetrotter, voilà. Et je croise des mecs, je me fight, c'est tout. Et si je meurs, je recommence à zéro. Mais il faut qu'il me donne cette putain de poudre de merde. C'est même pas possible. Un truc de fou. Un truc de fou. Non, 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 ouais. On m'a déjà fait le coup de passer à travers la map, j'avais perdu tout le stuff. Ah voilà, du fromage. On peut pas faire de... pas faire des balles avec du fromage, non? Ouais. On va manger du loup, je crois. Hein. Non. Parce que je suis le M1, je vais le poser, du coup. Je vais pas le garder. J'ai préféré réparer le Mosin. Je vais. Le M1, il va finir dans le coffre. Avec le fusil à pompe. Enfin, si un jour j'arrive à faire des balles. Ah, 1300. Oh, ça descend un petit peu. Ouais, bah, c'est ça qu'il faut faire normalement. Sauf que là, comme. Voilà, je fais vraiment la saison. Plus de base, voilà, je me balade de ville en ville à chaque comment dire, à chaque live. Ah, au moins. Bon, bah, on va se mettre à fouiller les poubelles. Hein. Non, mais c'est quand même dingue. Par contre, ici, il y a des fontaines partout. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des maisons, à mon avis, que j'ai déjà loot, mais bon. Bon, là, j'ai pas loot. Toujours pas de poudre en vue. Incredible. Ah. Bah, je vais pas boire de l'eau. Comme ça. Comme ça, il a pas la chiasse, mais en même temps, après, il a soif. Un peu con-con, lui, hein, le personnage. Hein. Tout ça on a fait. On va faire toutes les baraques, on va finir par trouver une poudre. Hein. Quand même. Oh, il y a un atelier. Celui-là, on n'a pas fait. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais là. Allez. 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 Il va trouver une poudre. Désespère. Incroyable. 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 Je suis là. Là, 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 je suis là, ouais. là, je suis en C2. La ville en C2.
Yes, merci, à tout à l'heure, Blaise. Comment on fait pour débloquer le craft improvisé? C'est dans engineering, c'est que tu dois être nul en engineering. Tiens, Blaise, c'est ça qu'il faut que t'achètes, hein. Je plaisante. Allez, bonne soirée. Eh ben, on va pas avoir de poudre. Ça, c'est magique. Je vais finir les quelques maisons que j'ai pas fait. J'ai pas trop le choix. Les clous, évidemment. Là-dedans, on n'en trouvera jamais. C'est sûr et certain. Puis les poubelles. Ça aurait été trop beau. Dans le frigo, c'est même pas la peine. Voilà. Là-dedans, c'est que des fringues. Voire rien du tout. Nice. On est bien. On est blindax. Là, on a fait. Le garage, on a fait. Ici, je crois qu'on a. Comme moi, la porte à gueule, je te dirai rien. Ici, je crois qu'on a déjà fait. Voilà. Ah. Je crois que je vais aller pêcher, tiens. Voilà. Je vais abandonner mon sac et mon stuff. Je vais aller pêcher. J'en ai marre. On va aller dans la ferme. Les deux maisons là, j'ai pas fait. Canne à pêche qui dépasse. Je crois que c'était une flèche au début. Oh là là, je m'embrouille dans les boutons tellement j'en peux plus. Oh là là. Oh là Ça, là. c'est beau. Oh là là. Ah, ce soir, ça va y aller, hein. Ouf. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Bon, on va essayer de pas mourir maintenant. Et là. Ah merde, j'ai pas de skill pour faire les balles. Ok. Tac. Attends, je vais même poser l'arme à terre. Ouais, d'accord. Le truc, elle a bugué. J'ai voulu faire 5 balles et elle a bugué. À mon avis, j'ai bien fait de garder les clous et les ferrailles. On va être obligé de faire un coffre, je pense. Ou une caisse à outils. La poudre, ça part vite, à mon avis. Non, la poudre, ça devrait être bon. La caisse à outils qui va nous faire défaut. Ah, ça, je peux jeter. Ça fait de la place déjà. Ok, on continue. Elle y passe. Ça, c'est fait. Déjà mettre ça dedans. Bah, il me reste plus qu'un un clic de caisse à outils. Je vais être obligé d'aller en faire une autre vite fait. Faut que je me fasse le rail aussi pour mettre le viseur dessus. Faut que je sache lequel c'est. Ok. On va commencer à moins rigoler déjà. Donc là, techniquement, en fait, je peux faire encore, vu que j'ai qu'une plaque.
Blanche. Encore 3 clics. Donc il me faut 2 ferrailles pour la caisse à outils. Ok. Clou boulon, on a 2 ferrailles. Et 3. Il me faut 5 ferrailles. Là, il faut qu'on trouve 3 ferrailles de plus. Ouais, je peux faire ça. Ou me déconnecter avec mon stuff, hein, comme je vais faire, je pense. Alors, pareil, on va faire vite fait la voiture, hein. On va pas se prendre la tête. Voiture dans le coin. J'ai dit 5 ferrailles, il m'en reste une sur moi. Il me faut 6 ferrailles pour faire le rail en plus. On fait encore 2. Ça continue de descendre? Non, mais sérieux. Je suis à moins 48% d'endurance, quoi. C'est n'importe quoi. Il pète pas en couille, le personnage. Ok, allez, on va vite faire en forêt. On va faire une caisse. Ouais, dès que j'ai un peu de fame, je pense que je vais tout enterrer, je vais me suicider, parce que là, au bout d'un moment, s'il veut pas se guérir de lui-même. Bon, évidemment, là, je dois le rétablir en eau, mais j'arrête pas de lui donner, le truc, il arrête pas de descendre. Faudrait enfin, que je trouve des légumes, mais là, il n'y a rien dans le coin. Ouais, les loups, tranquille. J'ai déjà les copains qui se font bouffer. Non, c'est même pas la température. Je pense que parfois j'ai l'impression que dans le jeu, t'as des phases où le personnage est. T'as beau vouloir faire quelque chose, c'est cuit. Ah, il manquera quand même une ferraille, hein. J'avais mal calculé. Ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression aussi que depuis la mise à jour, les champignons. Sont en PLS, ils ont disparu. Non, mais là, dès que je fais les balles, je vais aller. Je vais aller squatter une fontaine, hein, vite fait. Hein. C'était derrière, je suis pas au bon endroit. Bon, la fontaine elle est là. Ce sera pour boire un coup, pour fêter ça. Qui manquait, voilà. Ok, donc on remet 3 petits coups de. Ouais, je pouvais en mettre que 2. Bon, ça sera déjà ça.
Du coup, comme il n'y avait pas beaucoup de balles. Juste un truc. Je sais pas si c'est celui-là que je dois faire. Ou c'est ça. Mais dans tous les cas, ça n'utilise pas la caisse à outils. Ok. Ah ouais? Bah tout à l'heure je l'ai pas pris le sucre. Alors attendez, 2 petites secondes. AK. Je suis sur un site qui va me dire quel. Oh non. Sur la K47, je peux rien mettre. Faut que je trouve le RIS. Le RIS, non, les autres, ils sont pas compatibles. Je peux mettre la COG. C'est pas grave, je vais faire un short. Je le garderai sur moi. Si je trouve un viseur OKP. Il est où? Il est là. Non, on peut pas. Il n'y a que celui-là qui accepte le... Le OKP, mais je l'ai pas. C'est le seul viseur que j'ai pas loot. C'est pas grave. Ok. On est bon. L'arme réparée, chargeur réparé, les balles sont bonnes. Là aussi, on est bon. Je tente, mais ouais, ça sert à rien. Ceux-là, ils sont pas compatibles, du coup. Il faut le RIS. Bah en fait, la Hunter, avec la lunette de chasse, y a pas de rail. Elle se met directement dessus. Sur la Hunter. Alors, ça m'emmerde de pas avoir de viseur, mais... On va faire avec. Allez, on va boire un petit peu. Il y avait la fontaine à côté. On profite, les gens se plaignent sur le chat, vous voyez pas, mais il fait super nuit. Ça m'arrange. Bon, ça va, hein. Ça a déjà été pire, hein. Sincèrement, hein. Ouais, la Hunter, si c'est la lunette de Hunter, c'est ça se pose direct dessus, il n'y a pas de raid. Non mais c'est dingue, j'étais descendu à 1100 tout à l'heure. C'est un truc de fou quand même. Moi, casser les pieds toute la soirée avec ses... son hydratation, lui. Hein. Allez. De toute façon, on va arrêter le live là, ça fait quoi? Un petit peu plus de 2 heures. Hein. Au moins, on est équipé pour la prochaine game. Il y a mon coffre que j'ai enterré avec tout le surplus. À côté de l'airfield. Donc prochain live où je le ferai peut-être en live, j'irai déposer le fusil à pompe avec toutes les balles. Ça me fera de la place. Ça libère du poids. J'irai poser aussi le M1. Donc là, rien que ça, ça va me libérer à peu près 6 ou 7 kilos. Et en gros, 7 kilos, je serai à 42, 43. Bon là, je suis plus qu'à 36 parce qu'il a perdu de la force. J'ai 3 kilos. Ouais, 40. Ouais, je serai bien. Je serai proche des... Ça sent là, ouais. je serais bien en termes de poids et je serais pas trop pénalisé quoi. Je poserais aussi peut-être un des deux locks. J'en garderais juste 4 sur moi, ça devrait suffire pour prendre une baraque au cas où en plein fight. Et on est bien. Qu'est-ce que c'est joli. Bon, allez, les amis, je profite de la vue pour vous souhaiter une très bonne soirée. Bon week-end à tous, pour ceux qui sont en week-end. Bon courage pour ceux qui bossent demain matin.
Prochain live, à mon avis, dimanche. Et encore, c'est pas sûr. Demain, c'est clair que ça va être complicado. Mais probablement demain. Pour ceux qui sont là en tant que viewers, qui sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et puis ça motive. On ne doit pas être loin des 300. Même si l'objectif est de 350, mais c'est pas mal. Très bonne soirée, portez-vous bien, faites attention à vous. Merci d'être venu. Dommage qu'il n'y ait pas eu un petit peu d'action. Bon, si, on a trouvé de la poudre. Mais bon, la prochaine fois, on ira chercher Philippe. Bonne soirée à tous. Amusez-vous bien et ciao ciao les amis. À demain ou à dimanche. Un petit pour la route. Allez, bonne soirée.